Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'oracle Le Manuscrit de Gérard Barbier des éditions Trajectoire. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un très beau coffret. Voilà. Voilà, donc ici on vous explique hein, qui est Gérard Barbier. Voilà, vous aurez des explications. C'est un coffret qui est composé d'un livre de 160 pages et de l'authentique jeu de 43 lames. Alors, il s'ouvre comme ceci. Vous avez à l'intérieur, voyez, le livre d'accompagnement, le guidebook, qui est vraiment très sympathique, et les cartes. Alors, le guidebook, il est fait de la manière suivante. Voilà, vous avez à l'intérieur une introduction, l'interprétation détaillée de chaque carte. Voilà, par exemple, la carte numéro 1, ce sont les achats. On vous explique au niveau affectif, au niveau professionnel, au niveau santé, au niveau spirituel, au niveau personnalité et l'influence, si c'est négatif, positif, etc., etc. C'est comme ça sur l'ensemble des cartes. Et ensuite, on vous parle des méthodes de tirage. Alors, voilà, il y a 9 façons de pouvoir tirer. La méthode des 9, la méthode de la fleur, la méthode du domaine concerné, la méthode du sablier, du fer à cheval, de la flèche, des trois tas, la méthode de la personnalité et la méthode de la question. Alors, je vous montre, voici comment ça se passe, par exemple pour la méthode de 9, méthode de la fleur, méthode du domaine concerné, méthode du sablier, méthode du fer à cheval, méthode de la flèche, méthode, pardon, des trois tas, méthode de la personnalité, méthode de la question, des exemples concrets de tirage. Voilà, par exemple, l'exemple 1, c'est la méthode des 9. Et bien voilà, on va vous expliquer les exemples de tirage qui ont pu être faits. Voilà, donc vous avez ça, c'est très. Voilà, là, on est déjà à l'exemple 10. Voilà, et vous avez la conclusion. Voilà, et puis la table des matières. Voilà. Alors, avant de vous présenter le jeu quand même, je voulais vous préciser juste une chose. Je vais vous donner un exemple. Ça, c'est la carte numéro 15, l'ésotérisme. Vous avez le mot-clé ici. Alors, moi, comme c'était tout nouveau pour moi, j'ai numéroté mes cartes pour pouvoir me retrouver. C'est pour ça que dans ma présentation, vous verrez ici en dessous un numéro qui n'est pas du tout à l'origine sur le jeu, j'insiste, c'est quelque chose que j'ai rajouté moi pour me simplifier, si vous voulez, dans ma recherche au niveau du livre. Voilà. Mais ça n'était pas d'origine. Voilà. Vous voyez, moi en carte numéro 1, je me suis fiée à ce qu'il y avait dans le livret, j'ai rajouté le 1. Mais j'insiste, ça ne fait pas partie de la carte au départ. Hein. C'est vraiment comme ceci. Voilà, c'est juste pour moi. Pour m'y retrouver plus facilement. Donc, achat, argent, art, chance, changement, construction, danger, décès, destin, dualité, échange, émotion, ennui, équilibre, ésotérisme, examen, famille, femme, fête, force, homme, hôpital, idée, justice, le choix, médecine, méfiance, naissance, nouvelle, perte, protection, rencontre, réussite, santé, secret, séparation, soutien, surprise, temps, trahison, travail, union et voyage. Voilà, alors ce sont des cartes légèrement brillantes. Voici le dos de la carte, c'est très joli. Voici une comparaison pour la taille. La qualité, très souple. Elles sont très... très maniables entre elles, si vous voulez, quand on les brasse,
Vraiment, c'est très, 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 très fluide. Vraiment, très bien. Justement, elles sont quand même assez grandes. Et vous voyez, elles sont quand même assez souples. Pour les étaler, rien à redire, c'est juste parfait. Voilà, moi j'ai trouvé ce jeu très original, ce côté sombre comme ça, avec ce beige comme ça. Les dessins sont très simples, mais en même temps très concrets. Voilà, alors je le redis encore pour ceux qui ont pris la vidéo en cours, les numéros qui sont là ne sont pas sur la carte à l'origine. La carte, elle est comme ceci. C'est moi, pour me simplifier, pour retrouver la signification des cartes dans le livre, qui ai choisi, moi, de mettre un numéro. Mais vous ne recevrez pas un jeu avec des numéros. Hein. Vraiment, j'insiste, je le dis, ce n'était pas un choix de l'auteur. Ça, c'est vraiment moi. Vous voyez, moi, j'ai fait ça, ça s'efface. Hein. Voilà, c'était pour moi. Voilà. Je vous remercie, en tout cas, et j'espère que vous pourrez vous procurer. C'est vraiment un très beau jeu. Merci.